Coucou les loulous, coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis déjà un long moment. La vidéo spéciale Chacha Miaou. Alors, je vous explique un petit peu. Vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander comment est-ce que je fais pour avoir une team ou qu'est-ce qu'une team Chacha Minou. Et aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu tout ça. Et je vais vous parler aussi d'un projet qui me tient au cœur, tout simplement. Un projet de création de t-shirts et de mugs spécialement à l'effigie de vos teams Chacha Miaou, dont celui que je porte aujourd'hui. Et également d'autres styles comme celui-là. Voilà. Notre petit Chacha Yandere. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu les teams. Donc, il y a la team qui était là avant la team des Chacha Minou. C'est-à-dire qu'au tout début de mes vidéos, je n'avais pas de team ou alors j'avais une petite licorne que j'avais récupérée sur internet. Et donc, ces personnes-là font partie de la team des anciens. Donc, voilà leur Chacha Minou. Je vous le montre ici. Petit 2. Petit cas particulier, les personnes qui se sont abonnées hors live et qui font donc partie de la team des fantômes. Le Chacha Minou n'existe pas encore, mais il est en cours de création et bientôt je pourrai vous le présenter. Pour les autres, vous avez tous des teams différentes et je vais vous les présenter en vidéo. Avec la première team, vous avez la première team, la team princesse, donc ils vont tous apparaître ici. La team princesse en premier, donc petit Chacha Minou qui a une jolie robe de princesse rose avec des paillettes et une jolie couronne. Petit Chacha Minou, numéro 2, la team sirène. La team sirène, c'est une de mes teams préférées qui vient donc de l'océan. Vous avez ensuite la team geek, la team punk, la team vacances, la team T-Rex, la team gourmand, la team artiste, la team Joker, la team Harley Quinn, la team Suicide Squad, la team Fun, la team Love, la team des vilains, la team des super-héros, la team Content, la team Katniss, la team Bogos. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour des teams. En tout cas, vous avez un nombre énorme de teams. Et chaque fois que vous vous abonnez, vous avez votre pseudo qui s'affiche. Donc ça marche que le premier abonnement. Vous avez le petit Chacha Minou qui s'affiche à côté de votre pseudo en live. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc le point un petit peu boutique-magasin. C'est vrai que j'avais déjà reçu des mails ou des demandes pour savoir si j'avais des goodies un petit peu dévovo. Et ça vient d'être créé. Donc voilà à quoi ressemble le magasin s'appelle Teespring, il sera évidemment disponible dans la description et je mettrai aussi un commentaire avec le lien direct. Et là vous voyez que vous avez différents éléments, par exemple j'ai le mug T-Rex, je clique dessus et vous voyez que je peux choisir donc une couleur différente pour ce mug et directement le commander. Il y a aussi le sticker qui est directement disponible aussi, que vous pouvez prendre en même temps ou séparément. Et ça marche un petit peu pour tout. Vous avez également des suites, des t-shirts avec des formes différentes. Par exemple, ce modèle-là, le modèle Harley Quinn, c'est un modèle qui est fait pour les enfants, donc pour les plus petits qui font pas encore du taille S. Vous avez ce type de t-shirt avec notre petite Harley. Et après, vous en avez aussi pour adultes. Donc là par exemple j'ai mis mon T-Rex que j'ai commandé, moi je l'ai commandé en blanc donc j'attends qu'il arrive. Et à chaque fois pour chaque produit vous pouvez choisir votre couleur, votre taille et ensuite le commander. Donc ça c'est vrai que c'était un gros projet qui me tenait à cœur. Pour l'instant vous avez vu toutes les teams ne sont pas disponibles. Pour l'instant j'ai juste notre Battle Cat, la team T-Rex, la team Suicide Squad et la team Sirène. Voilà, il y a ces 4 là. Au fur et à mesure, ça va s'agrandir, ça va s'étoffer en fonction de vos commandes, en fonction de ce que vous aimez ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une team que vous voulez absolument voir ou quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir et que vous aimeriez porter ou commander. Et dans ce cas-là, je le ferai. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo. C'est vraiment une vidéo de présentation pour vous parler de ça et pour vous montrer vraiment... toutes les teams et il va continuer à y avoir de nouvelles teams. D'ailleurs, je vais pouvoir vous révéler une nouvelle team qui vient de sortir et qui est la team Sims qui apparaît juste ici, qui n'est pas encore disponible dans les teams des abonnements mais qui va pas tarder à les rejoindre. Donc si vous le trouvez chou, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. I could stay like this, forever following you.